Il ressemblerait presque au Golden Gate de San Francisco. Ce pont de 3 km qui enjambe la baie de Maputo, la capitale du Mozambique, est inauguré ce samedi. C'est le plus long pont suspendu de tout le continent africain. Il permet de relier la rive nord de Maputo, très dense, à Katembe, un village de pêcheurs peu développé situé en face. Jusqu'à présent, les voyageurs devaient emprunter ce vieux ferry pour traverser la baie. L'objectif de cette construction gigantesque est de permettre à la capitale de s'étendre au sud et de développer son potentiel touristique. L'ouvrage a été réalisé par un constructeur chinois pour pas moins de 750 millions d'euros. Une somme qui a provoqué la colère d'ONG locales pour qui ce pont n'était pas une priorité.